partir vite, Joss. Le faire de bout en bout, hein. Hop Voilà, c'est là. parti. Avec le meilleur départ, néanmoins pour le numéro 5, Karel Ter Putain, avec à l'extérieur Keep Dancing Hero. Le numéro 7, une faute du numéro 10, Montana JP qui disparaît. En troisième position, nous avons le 8, Cadet Sleeper qui se rapproche à l'extérieur. Suivi encore par le 3, Look at me, Vreitoot et Miss du Château, le 6. Le 7 en tête, donc devant le 8, il s'agit de Cadet Sleeper. Et puis le 5, Karel Ter Putain, est fort déjà du numéro 6, Miss du Château. Le 3 reste bloqué dans la corde. Look at me, Vreitoot. Le peloton qui explose, vraiment. On a disqualifié le 10, Montana JP, et le 5, Karel Ter Putain, hein, qui quitte la piste. Deux concurrents très nettement en tête, Keep Dancing Hero et Cadet Sleeper, qui l'a suivi. Et on reprend en tête, hein, si bien que derrière, ça va se reformer, ce peloton. On a été très, très vite en début de course. Et c'est le 12, maintenant, Lovely Girl, qui se rapproche à l'extérieur. En quatrième position, nous avons le 2, Lotus Eve, avec Miss du Château, qui est à son intérieur. Look at me, Vreitoot, venant ensuite. Toujours Joss qui contrôle les opérations. Keep Dancing Hero, le numéro 7, devant le 12 Andorre, Lovely Girl, dans la corde. C'est mieux avec le 8 Cadet Sleeper. Et puis derrière, il y a encore Miss du Château, le 6, et à ses côtés, eh bien, l'on retrouve Look at me, Vreitoot, le 3. Et fort du Alors, 11. on passe devant les tribunes avec Keep Dancing Hero qui contrôle l'épreuve avec une vraie autorité. En deuxième position, nous avons le 8, Cadet Sleeper. Le 12 à l'extérieur, Lovely Girl. Ensuite, sur une troisième ligne, côté corde, Miss du Château avec Lotus Eve. Le 2, sur une quatrième ligne, côté corde, Look at me, Vreitoot avec Marco Beer en dehors. Allez, on ne voit rien venir avec Joss et le numéro 7, Keep Dancing Hero. Il y a dans son dos, eh bien, Cadet Sleeper. L'effort maintenant, attention, un effort du numéro 2, Lotus EV, qui vient troisième aux côtés du 6, Miss du Château qui passe quatrième à la corde. Ouais, toujours le numéro 7 qui contrôle les opérations Kick Dancing Hero avec toujours les mêmes, hein, Cadet Sleeper qui sont au plus proche. On essaie de venir tout à l'extérieur avec Marco Beer et on va rentrer dans le tournant final. Joss qui regarde qui vient à son extérieur, il n'a rien demandé à son cheval, pour l'instant il contrôle. Keep Dancing Hero, le dernier tournant en tête devant le 2. Lotus, ensuite Marco dans la corde, toujours attention à lui. Cadet Sleeper, le numéro 8. Et puis derrière, eh bien, on est pris de vitesse complètement avec eh bien, le 6 qui tente de s'accrocher en compagnie du 4, Lou Diamond. Il est parti, hein. Démonstration de Kick Dancing Hero, hein, le numéro 7, sans incartade. Il va gagner cette épreuve. Ça fait très longtemps qu'il survole les débats. Derrière, il y a lutte, mais c'est le 11 qui va prendre la deuxième place. Marco Beer devant le courageux Lotus Eve qui va prendre cette troisième place. 7, 11 et 2, démonstration du numéro 7, Kick Dancing Hero. Il n'en restera pas là, David.